You know, I talked with Mother this morning. Mother talked with the judge. Stay far. Nobody touch nobody. Control your distance, stay far. And you know, shadow boxing by yourself. I move, Commando Roman. But nobody touch nobody. Change level and training your boxing, okay? You move up. Donc là, le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est les déplacements, la distance, et on va travailler aussi un peu de cadrage. Savoir qu'hier, ils ont fait un entraînement assez dur. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment en dilettant qu'on va faire un entraînement maximum 40 minutes. Avec Johnny, Johnny Frasier, on a monté un programme. Et donc, chaque jour, c'est bon, 2 entraînements par jour. Et chaque jour, il y a un thème. Par exemple, hier, c'était plus, on a travaillé plus en intensité. Hier, donc, c'était plus un travail hier de... Bon, c'était vraiment du MMA, où on a travaillé du grand end-pound, on a travaillé de la lutte contre la cage, on a travaillé du stand-up, mais on a fait des rounds vraiment très intenses. Donc, aujourd'hui, c'est plus calme. Mais, voilà, basiquement, on essaye d'équilibrer, d'essayer de tout travailler, c'est pas évident, mais aussi de ne pas les surcharger physiquement, parce qu'il faut qu'ils arrivent frais et au combat et surtout sans blessure, quoi. On a fait 4 semaines de camp avant, donc c'était 2 entraînements par jour, et là, dans 3 jours, on va passer à 1 entraînement par jour. Sachant que la dernière semaine, ils font presque rien, quoi, hein. Quand on va à Kiev, c'est vraiment plus calme. Mais donc là, on arrive sur la fin. Donc il faut faire très attention. Parce qu'ils arrivent à une forme presque top. Il ne faut pas trop les griller physiquement et surtout pas qu'ils se blessent. J'ai essayé d'adapter la préparation par rapport aux adversaires parce qu'il faut savoir, pour Sergey, ça va, on a pas mal d'informations sur son gars, mais par exemple pour Roman, comme Roman n'a pas beaucoup de combats, il a 2 combats, il a un adversaire qu'en a un, il n'y a rien sur lui. Donc je lui ai fait un travail global, un travail de déplacement, parce que bon, lui, sa spécialité, c'est le sol. Donc j'ai appris à se déplacer dans une cage, savoir utiliser son jab, vraiment le truc basique, hein. Et... Par exemple, Sergey, non, il va rencontrer Travis, c'est un combattant poids lourd. Travis Fulton. Voilà, Travis Fulton, et donc à au moins plus de 300 combats de MMA. Donc on sait exactement ce qu'il va faire, donc on travaille bien sûr là-dessus, c'est rester à la longue distance et essayer de le striker au maximum, quoi. Pas trop se coller parce que c'est très dangereux. T'as regardé ces 300 combats? Ouais, j'ai regardé 299 combats en fait. Ok, next round, you do the same, but after half balance, you come back and punch, okay? Same thing. Move, faking, change level, take your time. 1 punch, 2 punch, whatever. Try to go to single or double, off balance, and finish with 1 punch, okay? Or 2 punch. Go. There we go, my baby bone. That's it, move like fight. Yeah, very good. Yes, very good. Donc là, il travaille les transitions. Ça, c'est très important. C'est un travail qu'on faisait beaucoup, hein, aux États-Unis, même au Brésil. Et c'est un truc qu'on répète tout le temps. Il faut tout le temps répéter. On peut le faire à l'échauffement. Il faut que ça soit automatique. C'est-à-dire que bon, ils font la combinaison qu'ils veulent. Mais c'est aussi là il faut voir aussi. Ce qui est important, c'est pas juste la transition, c'est le avant. Comment ils se comportent. C'est-à-dire feinter. Les fins de déplacement, comme ils disent, changer les niveaux, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais c'est important, c'est préparer une attaque. Donc ça, il faut le répéter tout le temps, surtout pour un grappleur comme Roman, parce que lui, il aime bien mettre au sol, donc il faut qu'il comprenne déjà, parce que là, vous voyez, c'est tout le temps en mouvement, c'est pas arrêté, donc le combat, il est comme ça, c'est tout le temps en mouvement. Donc, C'est un travail qui est facile à mettre en place, mais très important. Il faut le répéter sans arrêt. Okay, next round. You do the same, but after half balance, you come back and punch. Okay? Same thing. Move, faking, change level, take your time. One punch, two punch, whatever. Try to go to single or double, off balance, and finish with one punch, okay? Or two punch. Go. That's it, move like fight. Yeah, very good. Yes, very good. You can faking takedown too, yes, very good. Donc là, l'exercice, c'est pareil, il y a des transitions. Là, on travaille beaucoup sur l'incertitude. Parce qu'en MMA, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas ce qu'il va faire, le gars. Il y a tellement une palette technique énorme. De toute façon, un bon combattant de MMA, il doit être imprévisible. Non, il faut justement utiliser ses mises au sol. Parce que c'est perturbant. Donc après, on peut utiliser son striking un peu mieux. Il y a beaucoup de lutteurs qui font ça et c'est efficace. Ah, c'est pareil, mise en situation, déplacement, voilà quoi. Là, il travaille, parce que bon, il y a le côté aussi sensation qui est important. Faut qu'ils sentent l'exercice, donc c'est bien de le faire en dilettante, sans frapper trop fort. Good, that's it. Okay, time, relax, one more round like that, okay? Good, this is good. Last round. Same, use the jab, moving, keep your distance, don't step too close. Yes. Back and forth. Yeah, very good. Yes, that's it, nice. Okay, Sergey, stay long. One guy takes his ball, you start, you move his ball, and you get up, you don't stay. It's like a guy, you know, he moves a lot. He tries to cut you off. Now he uses only a jab, faking, jab, and stay in long distance. No close. This is not jab. Use you all reach, okay? I'm here with Sergey, I move, see? Up. Yeah, when you want. Yeah, that's it, but stay long. You move. Yeah, that's it. You can't come too close to me, okay? Huh? Okay, go. Not a lot of time. Yeah, take your time. On a des idées, mais on les pique aussi un peu de temps en temps. J'avais vu sur un mec d'anglaise, en fait, qui entraînait des champions olympiques aux États-Unis, et bon, que je connaissais, hein, et il m'a montré ce travail qui est super sympa. En fait, c'est pour travailler, ça travaille les déplacements, ça apprend à cadrer, ça apprend à contrôler sa distance avant de frapper et d'être à la bonne distance aussi pour frapper. Ça, c'est un exercice que je faisais avec Anderson Silva, avec beaucoup de combattants, pour justement comprendre le mécanisme. Quand on a un mec qui se déplace en face, qui va à droite, à gauche, parce que c'est pas comme le muay où les gars ils restent un peu plantés. Là, non. Le MMA, les gars, ils sont toujours en mouvement. Donc déjà, le premier problème à résoudre, c'est le problème de distance, de cadrage. C'est le premier problème avant de frapper. D'être à la bonne distance, au bon moment, et frapper, et savoir utiliser les bonnes techniques par rapport à la distance. Donc, no, I want you punch less. I want you take your time more. You know, because it's not to punch all the time. It's not this. The fight is not a volume. You know, move, use your jab, touch with your jab, and when you feel you're ready, do a combos. You understand? Example. Come on, Sergey. I move. Control your head. Jab. Are you ready? You go. Yes, okay. Up, jab, control with your jab. Change level. Faking. There you go. When you feel you good position to strike. Okay, guys? Ben oui, il faut essayer de les faire progresser avec des trucs différents, parce que là on voit par exemple sur le camp de 6 semaines avec 2 entraînements par jour, c'est contraignant et à un moment c'est dur, même pour le coach. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on commence à saturer un peu, puisqu'on est tous ensemble, on vit au quotidien ensemble et ça fatigue mentalement. Donc des fois, des petits exercices, je fais même des échauffements des fois qui n'ont rien à voir, avec des jeux de ballon, juste pour casser un peu le... Ah ouais, donc c'est important, essayer de varier, d'ajuster avec son jab, hein, pour savoir à peu près la distance. Et quand l'autre attaque, il envoie un direct, un crochet, un truc vraiment basique, mais qu'il faut répéter. On peut le faire avec des cônes, on peut le... Voilà, il faut tout le temps répéter. Ça sert d'avoir un milliard de combinaisons. Hein. Il faut faire des petites combinaisons basiques, mais il faut prendre les plus efficaces. Celle-là, elle est efficace. Et là, on voit que le travail commence à prendre forme. C'est-à-dire, il se déplace, il feinte, il change les niveaux. Voilà, quoi. Donc, parce que l'idée, c'est qu'ils prennent confiance. Ce travail-là, quand vous avez des bons déplacements, une bonne distance, vous êtes plus à l'aise dans la cage, vous stressez moins. Mouvement, left, right. Change level. Roman, il aime bien attaquer. Il n'arrive pas à rester près de la cage. Il aime bien avancer. Mais non, c'est bien. Il faut être offensif. C'est même, voilà, quand la meilleure des attaques, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Mais il faut savoir aussi combattre en reculant. Il faut savoir combattre. Parce que si vous avez qu'un registre et vous tombez sur un gars qui est très plus agressif que vous, vous ne connaissez pas les techniques de défense, bah c'est compliqué. Donc il faut apprendre à attaquer, mais aussi à défendre. On a vu beaucoup de combattants, quand ils commencent à reculer, ils sont perdus. Donc là, c'est plus le, là, on voit, là, c'est plus le striking ce matin. Hein. Cet après-midi, on va faire plus de la lutte. Parce que moi, j'aime bien faire aussi du travail dissocié. Comme ça, quand on fait un travail dissocié, c'est plus facile à corriger. Et après, on mélange offensif, toujours à l'attaque. C'est bah, ce qui paye le mieux. Hein. Il faut toujours être le premier en fait, il faut essayer de déstabiliser son adversaire, pas laisser le temps de réfléchir. Ça fait le deuxième camp que je fais, Roman a une grosse progression en pied-point, et Sergey aussi, il est plus délié, et bon, faut qu'il fasse un travail aussi, Sergey, sur sa distance. Il a tendance des fois à se coller trop, et c'est dangereux sur ton poids lourd, hein. Il faut contrôler sa distance, des fois il est trop près. Et il est encore jeune, donc des fois il va au combat direct, il faut prendre son temps, surtout contre Travis. Il est malin. C'est un vieux renard. Hop, hop, ok. And when he attacks you, you see his leg? Little, not too much. Little angle and bend. Okay? Right. Bam, overhead. Okay? Huh? Okay? Yes, bend a little bit. Like your body, you know? This. Don't go like, because he can counter you sometimes. Here? Yes, that's it, you know? Okay, go. Move. Ooh, yes. Move. Oh, Roman. Left and right. Yes. Stay close to the cage. Use the jab to find your distance. You know I left your mother standing, baby, in a doorway time. Some begging and pleading down this street, you little girl of mine. That's my law, I need $100. All I need, and all I need $100. Il faut toujours croire en ce que vous faites, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser influencer parce qu'on voit le MMA, c'est beaucoup, surtout en matière d'entraînement, c'est des phénomènes de mode. On voit les mecs commencent à soulever des poids, tout le monde fait la même chose. L'autre il court avec un masque, tout le monde court avec un masque. Tout le monde essaie de faire la même chose. Le crossfit, la corde, allez on fait la... I need that $100. That's it. You know my old lady come telling about you. Wanna talk for an hour? Wanna go to Red Cross, you know? Wanna start the Red Cross, I like it. Donc là, il faut faire attention, des petites mises de gants comme ça, des fois un peu light, Des fois, bon, il y a un ego, quoi. C'est des combattants, ils s'emportent un peu. L'autre, il envoie une droite. Et donc, il faut contrôler aussi. Hein. Parce que c'est des petits gants et l'objectif, c'est, voilà. Comme j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est les déplacements, la distance, le cadrage. Et donc, voilà, quoi, il faut rester dans le thème. Ils ont tous des égos, de malades, quoi. Une fois, pour la petite histoire, une fois, Anderson, c'était au Brésil. C'était à Rio, à la team Nogueira. Et il y a un jeune qui a voulu mettre les gants, on était en pleine préparation. Et nous on a dit non, 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 tu peux pas faire ça, parce que tu peux pas mettre quelqu'un qui n'a rien à voir au camp comme ça, c'est toujours dangereux. D'ailleurs, ça s'est mal passé. Et donc il est venu, c'est moi qui arbitrais. Et on a sonné, si, si, ramène-le. Et le jeune, il s'est emporté, il a commencé à vouloir taper comme un malade. Je dis merde. Et Anderson, d'un coup, lui met un high kick, j'ai jamais vu ça. L'œil, il a gonflé instantanément. Il a touché, il avait un œil comme ça, le gars. Donc voilà, quoi, il faut. Voilà, quoi. Il faut faire attention, c'est des combattants, ils ont tous un égo surdimensionné, donc il y a les molos, quoi, avec eux. Quoi. Endo. Dan. Dan, beaucoup de KO à l'entraînement. Il est avec du 16, hein, des gros gants. Hein. Donc imaginez avec les petits gants. Ah, Dan est très dur, très dur. Mais bon, bon joueur, c'est-à-dire que voilà quoi. Tu peux l'envoyer, il l'envoyait, mais il fait mal. Girl, you love is dead. I got a letter this morning. How do you ring it red? You know, sir, hurry, hurry. I call the girl, you love is dead. Oh, I grabbed up my suitcase, took out down the road. When I got there, shooter strike, shooter. Yes, nice. Nice, come back, take the back. Don't let him stand up, Don't let him stand up, be careful with your knee, Sergey. When you hop, be careful with your knee. Put him against the cage. Yes, and you be careful, yes, this is nice. Now he cannot move, really good. Protect your neck, you be careful with your knee. Nice, this is good position for both of you. Try to find another position, Roman. Let's go. Defense, Sergey. Push the leg. Turn, cross the leg, nice. Cross the leg, Sergey. You cross your leg, nice. Good work, pressure. He will roll. Yes, stabilize, control the position. Pressure. Roman, use the cage. You can use the cage. Nice. Sweep him. Yes, begin to attack to the triangle. Good. You sweep him. Take the kimura, sweep him. Go to the triangle, kimura, triangle. Yes. Nice, control the leg. Control. Let's go. Go. 15 seconds. Position. Roman, you choose the position. Go. Take the back. Nice. Okay, come back. Finish, come back. Position. Roman, try to keep him on the ground and strike. Work your ground. I know, but this is the exercise. Let's go. Position. Let's go. Yes, position, pressure. Work your control. Nice, take the back. You defend this, don't let him take the back, Sergey. Nice work, nice. Position, come back. Continue, continue. Let's go. Yes, change, change. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Go. Control, control, pressure. Nice. Close the triangle. Close. Defense, 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 defense. 20 seconds. Cross relay, cross relay. Let's go. Let's go. Stand up, stand up. Nice. Good work. Okay, run and pump. One run. I want you to alternate between strike and isometric hold, you know? Because so we do 10 seconds. Hold, 10 seconds strike, you understand? Hold, 10 seconds. Go! Strike, strike. Hold, 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 hold. Strong, 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 strong. Strong, strong, strong. 4, 3, 2, 1. Strike, let's go. Three, two, one. Hold, 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 hold. Strong, strong. Power, strong, 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 strong. 3, 2, 1. Strike. Let's go. Let's go. Yes, control. Yes, lots of help. 3, 2, 1. Hold, 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 hold. Strong, strong, strong. Go. Okay, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Shadow boxing, let's go. Non-stop, non-stop, boxing. Head movement, head movement, head movement. Scroll. Attack. Okay, change, Sergey. Let's go. Now you can begin to a little bit shadow boxing. Top. 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 Scroll. Attack. Okay. Moi, je vois avec l'expérience et la prépa physique, beaucoup de préparateurs physiques qui font des trucs trop durs. Et après, ils n'arrivent plus à faire l'essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire le combat. Si vous voulez tuer dans une prépa physique qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vont faire, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de combattants. Ils ont une préparation physique de fou, un corps de fou, mais ils n'ont pas de jus. Donc il faut toujours axer sur le combat, que ça soit le plus réel possible en fait. Voilà. Donc c'est un peu comme on dit old school. Moi j'ai appris ça pas mal avec Dan. Je voyais Dan, il faisait beaucoup, lui il croyait beaucoup en ça et moi j'y crois aussi. C'est vrai que c'est ça qui marche.